d'abord, bien sûr, saluer Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture, ainsi que l'importante délégation ministérielle qui vous accompagne, Madame la Ministre, pour l'inauguration de ces rencontres de la photographie. C'est bien sûr pour le maire d'Arles, pour le conseil municipal d'Arles, un grand honneur que de vous accueillir et pour tous les Arlésiens. Vous êtes, je salue Jean-Paul Capitani, vous êtes tout près ici des éditions Actes Sud qui sont le lieu qui ont fait naître une réflexion bien large, celle de faire en sorte que notre ville soit l'expression de la culture, de toutes les formes de culture et donc qu'elle puisse donner à connaître de larges initiatives. Je voudrais saluer Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monica Michel, députée de la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône, monsieur l'ambassadeur de Colombie en France, Federico Rengifo-Vélez, monsieur Paul Dur, pardon, l'ambassadeur du duché de Luxembourg en France, madame Sabine Bernasconi, qui représente Martine Vassal, la présidente du conseil départemental, monsieur Claude Vulpian qui vient d'être parmi nous, qui s'approche, on va lui trouver bien sûr un siège, qui est président de la communauté d'agglomération Arles-Pro-Camargue-Montagnais, l'ensemble des élus régionaux, départementaux et notamment notre collègue de ce canton, Nicolas Coucas, et celle qui siège avec lui, madame Aurore Raoux. Je voudrais ensuite saluer tous les élus, bien sûr, du conseil municipal, adjoints aux conseillers municipaux, et leur dire toute ma satisfaction de les retrouver ici. Saluer le président Médrine, président des rencontres d'Arles, que je remercie d'avoir accepté cette charge. Madame l'administratrice des rencontres, ancien ministre, Françoise de Panafieux, Maya Hoffman, présidente de la Fondation Nouva, Vera Michalski, présidente de la Fondation Michalski, Catherine Scharf, conseillère culturelle auprès de l'ambassade de Suisse, ainsi que Madame Gerbe Sazo, consul général de Suisse, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration des rencontres, notre collègue adjointe à la culture qui siège aussi, bien sûr, au conseil d'administration des rencontres avec moi pour la ville d'Arles, Anne Clergue, qui est la fille de Lucien Clerc, le fondateur des rencontres. Mesdames et messieurs, les représentants des différentes structures associatives ou services de l'État ou des collectivités territoriales qui portaient les politiques culturelles. Je salue aussi Madame la Présidente de France Télévisions qui va venir nous rejoindre. Madame Ernotte, venez Madame au premier rang, et qui est aussi la Présidente de l'École Nationale Supérieure de la Photographie. Je salue Patrick de Carolis qui a été France Télévisions et l'École Nationale Supérieure de la Photographie aussi. Je salue, et c'est bien sûr nécessaire et obligatoire, Naïs Refros, la 13e reine d'Arles, et sa demoiselle d'honneur. Je vous salue toutes et tous en vos qualités respectueuses. Excusez-moi si j'en ai oublié certains parmi l'ensemble de celles et ceux qui se pressent ce matin. Bon, je serai extrêmement court parce que Madame la Ministre doit rejoindre le Parlement constitué en congrès pour écouter le Président de la République qui, je le sais, connaît ce qui se passe ici pour lui en avoir parlé lorsqu'il était venu signer avec Michel Moselle le contrat de plan État-Région et François Hollande et l'ensemble du gouvernement. Je voudrais vous dire que d'abord, tout simplement, c'est bien sûr pour tous les Arlésiens un très grand honneur, Madame Françoise Nyssen, de savoir, d'avoir su, d'avoir appris que vous étiez la ministre de la Culture pour notre pays et pour notre gouvernement. Il est évident que ce qui a donné à connaître à Arles un certain nombre d'éléments de rayonnement se sont tous passés autour de l'action engagée, autour de la photographie, autour du livre, autour du patrimoine qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Et ces éléments-là, bien sûr, tout au long des années, nous avons voulu continuer à les porter. Aujourd'hui, pour la photographie, après l'école qui a été décidée par François Hollande, alors président de la République, que vous avez accompagné, et en face de la Tour Louma, qui est une fondation d'art contemporain
bien sûr de même nature que celle qui peut exister à d'autres endroits, notamment à Paris avec Arnaud et LVMH. Il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que l'on puisse mettre en évidence ce qui s'attache à la conservation de la photographie en même temps que les événements que l'on crée. Il peut partir d'ici l'idée que nous soyons en capacité, avec d'autres, dans notre région et dans notre capitale, avec l'école, avoir eu la possibilité et l'idée de conserver pour montrer, de conserver pour faire en sorte que les nouvelles technologies soient le mieux partagées, notamment dans ce domaine du numérique, mais aussi faire en sorte que de partout, autour de la Méditerranée, Arles, avec d'autres grandes villes, soit le lieu de la photographie, le lieu d'image. Merci, c'est grâce à Arles que je suis ministre de la Culture. Je dis souvent en rigolant que je suis ministre recrutée sur travaux pratiques, c'est ici, avec mon équipe et surtout avec mon complice de toujours, Jean-Paul, qu'on a essayé de faire. Et évidemment, je suis particulièrement émue, vous vous en doutez, je fréquente depuis toujours les rencontres en tant que citoyenne et arlésienne et aujourd'hui, je les inaugure comme ministre. Quelle affaire! Beaucoup d'honneur, dit personnel, beaucoup de fierté et de voir la France abriter une telle manifestation. Et merci à tous d'avoir accepté cette règle du jeu un petit peu peut-être frustrante, mais je crois pas mal, parce que de m'en souvenir, quand j'étais dans le public et que j'entendais des discours pendant des heures, je me disais, mais moi j'ai envie d'aller voir les expositions et de rencontrer les artistes. Non, je veux saluer d'un mot les deux forces qui s'expriment ici, dans ces rencontres, et qui sont fondamentales pour la ministre que je suis. D'abord, la force des territoires. Ils ne doivent pas être laissés au second rang, en tout cas penser en opposition à Paris. Ça a toujours été le sens de ce que j'ai mené avec mes complices dans mon ancienne vie. Je continuerai. En prenant cette mission, je n'ai pas changé et je serai cohérente avec ce qui m'habite. Et je veux donc redonner la place qu'ils méritent dans la politique culturelle nationale. C'est également un formidable modèle et une preuve de mobilisation de la coopération possible de tous ici. À commencer, les acteurs, les entrepreneurs culturels locaux, qui tous sont concernés et contribuent à leur manière à accompagner la formidable équipe des rencontres que je salue ici très chaleureusement, ainsi que l'ensemble bien sûr des partenaires institutionnels et privés. Formidable équipe, car en effet, le travail qu'ils accomplissent doit être salué à plus d'un titre, et notamment pour ce vrai parti pris, l'ouverture et la diversité en faisant la part belle à la photographie du monde entier. On vient d'avoir une preuve en visitant la magnifique et émouvante et réjouissante au bout du compte, parce que ses amis iraniens nous ont demandé de garder le côté poétique de leur photo en souvenir, et je le garderai, de même que l'énergie et la joie de ces jeunes qui ont pourtant passé tellement d'épreuves. La Colombie aussi, et je salue la présence de l'ambassadeur, j'ai accueilli votre président il y a quelques jours et c'était un grand moment, ainsi que des amis à Cogui que j'ai le plaisir d'avoir ici, mais aussi pour l'incomparable travail vers la jeunesse, l'éducation à l'image, la rentrée en image avec les établissements scolaires. Merci Aurélie et toute cette équipe qui s'y emploie. J'insiste, c'est un des axes forts que je vais essayer d'accompagner avec l'éducation artistique et culturelle pour tous, depuis le plus jeune âge, partout. Cette diffusion tellement importante que les jeunes doivent s'imprégner de cela, et c'est par l'éducation artistique dès le plus jeune âge qu'ils pourront devenir des citoyens droits, heureux et qui ont envie de vivre une belle histoire. Et en se cliquant ainsi dans la rentrée en images, c'est aussi participer à cette incroyable vie culturelle qui donne un sens pour ceux qui la vivent. Et bien sûr, tout ceci ne serait pas possible sans le travail, le talent, l'imagination, l'engagement des artistes du monde entier qui sont, je crois, le savoir, heureux et désirés de s'exposer ici à Arles. Sans oublier la présence et l'adhésion d'un public qui vient de plus en plus nombreux ici à Arles. Ensuite, bien sûr, il convient de saluer la force d'un art, la photographie. Je viens de voir les expositions sur l'Iran, le travail de Marie Beauvau, les expositions au cloître. Tout ça le prouve bien. Ici, à Arles, on peut ressentir la force et la nécessité de la photographie aujourd'hui. La nécessité d'un art qui fixe le regard, arrête pour nous le temps à une époque où on ne prend plus. Désolé, c'est pas très cohérent avec ce que je vous fais vivre. La nécessité d'un art qui raconte le monde et notamment l'altérité à une époque où la tentation du repli fait surface. La nécessité d'un art
qui est ce gardien de mémoire à une époque où on l'a détruit. La photographie ne répare pas, mais au moins elle documente. C'est la culture qui s'efforce de sauver la culture. Un art que nous voulons soutenir et promouvoir, et je terminerai par là. Je viens de confirmer la création, bien sûr, d'une délégation, vous le saviez, à la photographie au sein du ministère. Et je serais très heureuse que Sam Sondé puisse travailler avec nous sur le repérage, la conservation, la diffusion des faux photographiques en France. Et nous allons réfléchir à mettre cela en ordre de marche. Nous avons eu une réunion formidable ce matin en mairie où une forme de travail très dans la coopération, dans la collaboration, pour faire de Arles une place encore plus importante et rayonnante, notamment dans le cadre des archives qui sert de base à cette diffusion dont nous avons tellement besoin. Et je serai évidemment mobilisée sur ces enjeux rencontrés par cet art avec une attention prioritaire pour la défense des droits de la propriété intellectuelle des photographes, notamment dans l'univers numérique. Et je conclurai par une phrase de Robert Delpire dans le livre qu'il vient de signer, « Cher Bob, c'est de voir qu'il s'agit, je le cite, « l'acte photographique est un acte moral » Il conjugue la prise de responsabilité et la prise de vue. Nous en avons plus que jamais besoin aujourd'hui. Merci à tous et belle rencontre. Aussi bref que mes prédécesseurs et vous annoncer en quelques mots à la fois les nouveautés de cette édition 2017, elles sont nombreuses, au premier rang desquelles les lieux, chaque année, une fois n'est pas coutume, on inaugure un certain nombre de nouveaux lieux. Cette année c'est croisière, le terme s'est répandu depuis quelques mois. Dès ce soir, vous le découvrirez avec une grande fête à croisière, une grande fête colombienne, puisque cette édition est placée sous le signe de notre amitié franco-colombienne. Vous découvrirez aussi la Maison des Peintres, une maison qu'on utilisait depuis quelques années pour la construction de ces expositions, une maison qui a été rachetée, qui nous a été mise à disposition par l'agglomération. Et où cette année, pour la première fois, on découvre trois expositions. Les nouveautés 2017, ce ne sont pas que des lieux, ce sont aussi des contenus, des satellites, et vous aviez pu brièvement découvrir l'année dernière le Arles VR Festival pour réalité virtuelle qui n'avait pu durer qu'une semaine. Cette année, il s'ancre dans la programmation comme une exposition, 20 films en compétition officielle pour ces nouvelles écritures de l'image. Qui seront installés au cloître Saint-Césaire, cette fois pas seulement pendant la semaine d'ouverture, mais pendant tout l'été. Et puis des focus sur des scènes photographiques particulièrement dynamiques, des pays qui régulièrement défraient la chronique de nos journaux, et donc on a parfois une image un peu biaisée, en tous les cas pas le regard des artistes. Et cette année, deux grands morceaux de cette géopolitique bouillonnante. D'un côté, la Colombie, on s'inscrit très largement dans le programme de l'Institut français de l'année de la Colombie en France. C'est plus de quatre expositions qui sont au programme et la fête de ce soir. Et puis, Madame la Ministre le rappelait à l'instant, l'Iran, une exposition réalisée par deux commissaires iraniennes, 66 photographes à l'église Sainte-Anne et une grande soirée samedi soir au théâtre antique. Arles, c'est des nouveautés, mais c'est aussi des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est bien sûr la photographie et des expositions toujours plus sophistiquées. À l'exigence des artistes, nous répondons par l'incroyable professionnalisme de nos équipes qui arrivent à satisfaire leurs demandes les plus folles. Ce matin, nous inaugurions la très épurée exposition de Marie Beauvau, mais à l'installation spectaculaire, je vous laisserai découvrir la maison hantée, oui, elle est bien hantée, de Roger Baleine, ou bien dans quelques instants, on va se diriger
à l'église des Frères Prêcheurs pour découvrir le travail de Michael Wolff, qui ressemble plus à une installation qu'à un simple accrochage.